la mitoko. Yahweh, Yahweh, béni sa mitoko. Yahweh, Yahweh, bate la mitoko. Mes très chers compatriotes, force vive de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi musimame kati ya inchi inaanza. Bampangi ya luzolo beno telama kisame banda. Bana betu batu igwe jukari mudimu wapany. Bandeko bako lingo bambuka bino baso boteleme mosala e bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vous informer a toujours été notre devoir le plus précieux, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Clôture ce vendredi 19 février 2021 de la matinée de sensibilisation des textes légaux, réglementaires et des bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises à l'intention des petites et moyennes entreprises et artisanat organisée par l'Agence nationale de promotion des investissements ANAPI en partenariat avec l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises OPEC en sigle. Les détails dans ces reportages. Pour cette deuxième et dernière journée de la matinée d'échange et de vulgarisation des textes légaux, réglementaires et des bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises au profit des petites, moyennes entreprises et artisanat, de différents opérateurs économiques ont bénéficié des enseignements profonds sur la quintessence de l'ordonnance loi portant réglementation des petits commerces par le directeur général de l'OPEC, Ezekiel Bidoya, qui a aussi signifié aux entrepreneurs que cette matinée de sensibilisation constitue un vrai investissement pour l'État congolais, car elle produira des effets positifs dans la gestion des petites et moyennes entreprises. D'où il faut promouvoir l'investissement dans les secteurs privés, tous les domaines confondus. De son côté, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, a abordé les points du climat des affaires, précisément la fiscalité dans tous ces états, la charte des PMI et tant d'autres matières. Anthony Kinzo a également exhorté les entrepreneurs et tous les aspirants à avoir la maîtrise et la connaissance des impôts, taxes et contributions sociales avant d'intégrer l'entrepreneuriat au risque de gaspiller les fonds et passer en faillite. Un jeu de questions-réponses a suivi la présentation des matières entre les participants et les directeurs généraux de l'ANAPI et de l'OPEC qui ont balayé les préoccupations des opérateurs économiques. S'en est suivi la clôture officielle de cette matinée tenue pendant des jours dans la salle de banquet de l'hôtel Letia par le représentant du gouverneur Pierre Kabangu. Je déclare close les matinées de vulgarisation et de sensibilisation sur les textes légaux et réglementaires et les bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises. Approchés, quelques entrepreneurs se réjouissent d'avoir participé à cette matinée de vulgarisation. Cette matinée était pour nous très bénéfique parce que être un entrepreneur, ce n'est pas se réveiller un matin pour dire que tu as 1000 dollars, tu deviens un entrepreneur. Ça s'apprend. Premièrement, j'aimerais remercier l'ANAPI et l'OPEC qui ont initié ces deux matinées, qui nous ont vraiment apporté un plus en termes d'information. Souvent, les entrepreneurs, on se lance sans vraiment avoir tous les outils et toutes les informations, mais ces deux matinées ont servi à nous informer et même à nous former.
Et voilà, chers téléspectateurs, dans ce même registre, au sortir de cette matinée purement économique, Anthony Kinzo Kamole et Ezekiel Bidoya, respectivement directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle et de l'Office des promotions des petites et moyennes entreprises congolaises OPEC, ont fixé l'opinion publique sur l'intérêt et les attentes de cette matinée de vulgarisation organisée dans la ville de Matadi durant 2 jours. Nous pouvons dire que sur les objectifs de sensibilisation sur les 2 jours par rapport à l'afflux des opérateurs économiques, à la présence de l'autorité provinciale ici, nous pouvons dire que oui, d'une certaine manière, nous avons atteint ces objectifs. Mais nous rentrons avec encore un autre meilleur sentiment qu'on a vu de l'intérêt par la qualité des questions, la qualité des suggestions, la qualité des propositions qui ont été faites sur les différentes thématiques qui avaient été abordées. Pour rappel, on était dans cette question de sensibilisation sur certains textes légaux, on dit bien certains textes légaux, aux opérateurs économiques. On a trié sur le volet, mais en fait c'était par rapport à une catégorie des opérateurs économiques qu'il y avait dans la salle. Mais nous avons compris qu'il y avait un souci important pour que ceux-ci comprennent c'était quoi le code des investissements, comment ils devraient y accéder. Qu'est-ce qu'il y a là sur la question de la gouvernance? Le DG va revenir sur la question. Les questions des droits, taxes et impôts à payer. Et donc, ça suscite de l'intérêt parce qu'en fait, c'est le quotidien des opérateurs économiques. Et nous sommes convaincus qu'avec l'OPEC, qui a une antenne provinciale ici, il va y avoir ce qu'on appelle cet accompagnement-là. Donc, je peux dire que oui, nous avons un sentiment satisfaisant. Humblement, nous leur disons merci parce que nous reconnaissons que c'est une grâce. Et en même temps, nous sommes en train de dire merci aux autorités provinciales qui nous ont ouvert cet accès et qui ont accompagné l'activité. L'ANAPI et l'OPEC se sont mis ensemble au travers d'un protocole d'accord pour travailler dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, celle de développer l'entrepreneuriat national et l'investissement domestique. C'est ainsi que ces deux institutions de l'État se sont mises ensemble pour matérialiser cette vision du président de la République. Et nous avons choisi pour démarrer ces activités la ville de Matadi pour sensibiliser les opérateurs non seulement sur les textes qui régentent leur secteur, mais également les règles pour mieux gérer leurs activités. Nous avons un sentiment de satisfaction compte tenu de l'engouement, du retour que nous avons reçu de la part de ces opérateurs et de jeunes aussi qui ont manifesté cet intérêt de pouvoir être accompagnés pour développer leurs affaires. Et donc ça nous donne la satisfaction par rapport aux objectifs que nous nous sommes assignés. Rendons-nous au niveau national à présent. 15 ans déjà depuis que la constitution en vigueur de la République démocratique du Congo a été promulguée par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange, quid de l'interprétation et de l'application des dispositions de cette loi suprême de la nation congolaise depuis sa promulgation le 18 février 2006, voulais-je dire, historique et tentative de réponse dans cet élément signé Osé Mabiala. Adoptée par référendum, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, jour pour jour, venait de totaliser 15 ans d'existence depuis sa promulgation. L'histoire nous renseigne que la RDC a déjà connu au total 4 différentes constitutions, celle du 1er août 1964, dite Constitution de Luluabourg, la Constitution du 24 juin 1967, dite aussi Constitution de la Deuxième République révolutionnaire, la troisième était appelée Acte constitutionnel de la transition d'avril 1994, rédigé par la Conférence nationale souveraine tenue en avril 1992. Pour permettre une transition démocratique. Et enfin, nous avons la Constitution du 18 février 2006. Quid de son application, Maître Simon Lusonso répond. La responsabilité revient à tout le monde, à la population, à ceux qui gouvernent, de pouvoir, n'est-ce pas, orienter les actions conformément à la loi, conformément à la Constitution. Mais nous avons constaté des violations parfois manifestes de la part de ceux qui ont gouverné pendant quelques années que nous venons de passer. La Constitution étant la loi suprême de la République démocratique du Congo, dans son article 62 qui stipule qu'il n'est censé ignorer la loi. Est-ce que cette Constitution est connue de tout le monde? Je ne pense pas.
Ici, je ne voudrais pas dire que tout Congolais doit maîtriser de bout en bout les 229 articles qui composent, n'est-ce pas, notre constitution, mais l'État a cette obligation, cette responsabilité de pouvoir vulgariser cette constitution. Toujours au niveau national, les militants de la plateforme de l'AMUKA, la plateforme de l'opposition l'AMUKA de Martin Fayulu Madidi, ensemble avec ceux des mouvements citoyens, ont organisé un sit-in devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour exiger l'expulsion immédiate du diplomate rwandais Vincent Karika. Et Osé Mabiala revient dans cet élément. Un seul objectif, obtenir l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega, traité de révisionniste, tel est le motif de ce sit-in organisé devant l'ambassade du Rwanda en Kinshasa par les militants de la Muka, plateforme dirigée par l'homme politique congolais Martin Fayulu Madidi, accompagné par plusieurs mouvements citoyens ce vendredi 19 février. Tout remonte des massacres de Kaziga en 1998 à l'est du pays, dont les manifestants suggèrent que la République rwandaise serait impliquée dans ces atrocités. Les protestateurs s'appuient également sur les rapports mapping rendus publics par les bureaux conjoints des droits de l'homme aux Nations Unies, où se figurait le nom de la Rwanda sur la problématique de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Peu avant, le coordonnateur national de la plateforme politique Lamuka avait tenu un point de presse où il avait dénoncé l'ingérence rwandaise dans les affaires internes de la RDC. Tout à fait autre chose pour parler à présent de la célébration ce vendredi de la 25e Assemblée Générale Ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique sur le développement. La présidente en exercice appelle toutes les Premières Dames d'Afrique à multiplier les efforts dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. La transition vers le travail à distance imposée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus n'a pas empêché le bon déroulement des travaux de la 25e Assemblée Générale Ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OPDAD en sigle, qui se déroule à huis clos par visioconférence. En rapport avec la deuxième vague de COVID-19, le thème retenu cette année, faire preuve de résilience face à la COVID-19 en tirant parti des acquis du passé et en tirant des leçons des défis actuels. La présidente en exercice, Antoinette Sassou-Nguesso, première dame de la République du Congo, a encouragé ses consoeurs à ne pas baisser les bras dans la lutte contre la COVID-19, à redoubler d'ardeur dans la bataille pour accompagner les grands mouvements mondiaux de lutte contre cette pandémie. Elle a par ailleurs affiché son optimisme sur l'application du plan d'action de l'organisation perturbée par la COVID-19. Avant de clôturer son intervention, Antoinette Sassou-Nguesso a rendu hommage aux premières dames pour leur implication dans leurs pays respectifs, ainsi que leurs appuis multiformes apportés aux plus vulnérables dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Il s'est dénoté que les travaux de la 25e Assemblée Générale de l'OPTAD se sont déroulés du 16 au 19 février 2021 par visioconférence. Parlons à présent sport pour mettre complètement point à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Entrée en lice de la République démocratique du Congo, basketball dans quelques minutes face à celle correspondante de la République centrafricaine RCA pour les comptes du deuxième tour des éliminatoires. C'est à Tunisie. Rivan Siala nous en parle. Les Léopards Messieurs Basketball peuvent se qualifier dès ce vendredi 19 février pour la phase finale de l'Afro Basket Kigali 2021. Pour ce faire, les Congolais devront s'imposer d'entrée face aux Fauves de Basoubangui de la République centrafricaine à Monastir en Tunisie sous le coup de 20 heures. Arrivés depuis le lundi 15 février dernier en terre tunisienne, les Léopards ont peaufiné leur préparation en toute sérénité sous la conduite du staff technique dirigé par le Norvégien Mathias Ekoff et le Congolais Charlie Bouzangou. Après, la RCA viendra la Tunisie ce samedi 20 février à 17h et enfin la grande île de Madagascar le dimanche prochain à 20h. En novembre 2020, lors du périple rwandais pour la précédente fenêtre des éliminatoires, la sélection congolaise avait aligné deux victoires de 55 points à 51 face à la République centrafricaine et 80 points à 63 dans l'opposition contre la grande île de Madagascar. Puis la défaite face aux champions en titre, les Aigles de Carthage de la Tunisie, 50 points à 61.
européen. Les Congolais ont fini à la deuxième position avec 5 points, soit à une longueur de la Tunisie, première du groupe. 20 équipes réparties en 5 groupes de 4 participent à cette dernière fenêtre. Les 3 meilleures équipes de chaque poule à l'issue des éliminatoires se qualifieront automatiquement pour le FIBA Afrobasket 2021. Et voilà, chers téléspectateurs, c'en est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci et de vous informer sur ma bannière télévision. Surtout, ne nous quittez pas, restez en compagnie de nos programmes. Chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi musimame kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya luzolo beno telama kisame banda. Bana betu batu igwe jukali mudimu wapany. Bande kobako lingo banamboka bino banso botelene Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.